Regardez HBTV. Regardez HBTV. Ah, ça c'est cool. Bon, on va essayer de l'inclure dans le. Regardez HBTV. Hey, salut à tous et bienvenue sur la chaîne HBTV. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo 10 passages secrets cachés dans les films. Le premier passage secret, c'est le cinquième élément. Il y a un accès qui était bien caché, bien secret, avec une petite clé d'accès par les Mando Shawan qui venaient récupérer le cinquième élément. Nous sommes actuellement dans le film Spectre, un des derniers James Bond qui est sorti avec Daniel Craig, qui tape la discute avec une petite souris. Et puis la petite souris donc s'enfuit dans un petit trou. Et puis là, ça fait tilt dans la tête de notre agent 007. Le cadre un peu penché comme ça. Et il se dirige tout de suite vers une ce qui semble être un ancien accès d'une pièce secrète, en fait. Donc il va soulever le bureau. Bon, je pense qu'à cette heure-là, on ne fait pas trop ce genre de travaux, mais là, il va vraiment démolir la cloison. Donc on peut presque considérer ça comme un passage secret, puisque c'est vraiment recouvert. Là, c'est vraiment le truc où on ne voulait plus y aller, on a bouché l'accès, en fait. Puisque, en fait, derrière cette cloison, il y a un ancien bureau secret d'agent secret. Il était camouflé avec des espèces de vieux lambris. Bon, bien sûr, il a réveillé sa petite amie. Et là, donc, on a accès à cette ancienne planque avec tout un tas d'objets qui y sont restés. C'était assez impressionnant. On peut aussi, voilà, condamner des accès pour qu'ils restent secrets à tout jamais, pour le coup. Enfin, à tout jamais. Là, on l'a découvert, mais... Là, celui-ci, c'était pas dans le but d'y revenir, en fait. C'était vraiment... on a camouflé complètement un ancien accès, en fait. Mais la pièce, elle, était bien encore là. Voilà, on va passer au suivant. On se retrouve dans l'univers d'Harry Potter. Regardez-moi ça, ça fait tellement plaisir de revoir le premier épisode. On arrive à un tableau qui cache l'accès tout simplement à la maison Gryffondor. Et donc pour y accéder, il fallait un mot de passe et le tableau s'ouvrait. Donc c'est un passage secret plutôt classique, bien connu maintenant de tous les fans d'Harry Potter, mais qui reste quand même bien intéressant. Et puis donc c'était sympathique. On est dans la famille Adams et là on a vraiment un travail de fou, de dingue. On a déjà une première bibliothèque secrète. Donc là je sais pas à quoi s'est amusé le créateur du film avec ce passage secret. Là maintenant on a tiré une manette, peu importe. De quoi bien se planter si on n'arrivait pas à tirer la bonne. On a une sorte de toboggan, donc là ça part en délire complet, on est à l'envers alors que les lois de la gravité ne sont plus trop respectées. Et on arrive dans une sorte de lac. Un lac un peu brumeux, souterrain, une sorte de cavité. Et on fait de la barque, vous voyez, on part vraiment dans un délire ultime, on arrive à une énorme porte de coffre-fort. Et c'est pas fini. C'est en fait c'est l'inception du passage secret, ce passage là. C'est incroyable. Donc là, après avoir trouvé la combinaison, on rentre dans une sorte de pseudo ancien endroit où Fétide et ils avaient leur habitude en fait. Donc et là, en fait, en tirant un bouchon, là ils trouvent vraiment l'accès au passage secret dans une espèce de pièce pivotante tournante. Et donc là, on tombe sur les richesses et les trésors de la famille Adams. Et on revient comme par magie avec une pièce, vous voyez, un peu une partie tournante. Hop là. Et voilà. Ah, notre ciné-club. Alors là, les meilleurs films d'action en ce moment et de chasse au trésor. Moi j'ai adoré le premier épisode et là avec le deuxième opus, Benjamin Gates nous emmène au Mont Rochemore où en déposant un petit peu d'eau sur une pierre, ça révèle directement une sorte de trace pour pouvoir mettre la main et déclencher un levier qui va déclencher un passage secret dans le Mont Rochemore, dans les Rocheuses.
D'ailleurs, à ce sujet-là, il y avait un milliardaire qui avait caché un trésor il y a une dizaine d'années, et ce trésor vient d'être à peine retrouvé par une personne qui a trouvé le petit coffre rempli d'émeraudes qu'un millionnaire avait planqué dans les rocheuses. Donc, incroyable cette chasse au trésor qui vient de se terminer. Nous sommes dans le film Get Smart avec Steve Carell et Anne Hathaway. Donc Steve Carell va planquer une sorte d'agent secret un peu stupide. Bon, c'est une comédie américaine, mais n'empêche qu'il y a dans ce petit passage un petit truc bien sympathique au niveau passage secret. Vous allez voir ça. Bon, je pense pas que c'est en décrochant le ticket que ça ouvre, mais autrement, je pense que c'est du studio. Mais le principe est vraiment très sympa. Vous avez vu cette petite bibliothèque qui est passée sur la gauche, c'était vraiment plutôt bien. Allez, le petit classique Indiana Jones, qui ne parle pas de film d'aventure sans parler d'Indiana Jones. Et là, donc, Indy est vraiment dans la merde, il prend feu avec son père juste à côté. Et donc, il déclenche malencontreusement un mécanisme qui se cachait dans les fers qui tiennent les bûches dans les cheminées. Et ça fait tourner la cheminée, mais ça l'emmène dans un poste d'opération top secret allemand. Et du coup, ben, il se retrouve nez à nez avec l'ennemi. Et voilà, ils sont démasqués. Donc du coup, ils décident de repasser de l'autre côté. Hop là. Donc c'est pas mal cette cheminée tournante. C'est plutôt très créatif, encore une fois. Et vous verrez que d'autres réalisateurs se sont inspirés de cette cheminée tournante pour leur film. Et ça sera le cas bien tout de suite après ce petit passage. Donc là, vous voyez, on appuie juste sur une pédale et ça déclenche. Donc franchement, c'est plutôt top. Et il y a un site qui marque combien coûte la réalisation de ces passages secrets. Hein. C'est vraiment très drôle de voir ça. Ils ont marqué, si vous deviez réaliser ces passages secrets dans la vraie vie, combien ça vous coûterait en vrai. Donc je vous mettrai peut-être le lien si je retrouve le site. Donc là, vous voyez, on reparle de la fameuse cheminée qui tourne. Eh bien, écoutez, le réalisateur des Visiteurs s'en est inspiré pour pouvoir reproduire la même chose dans son film. Nous sommes dans Batman Begins de Christopher Nolan. Et avec une série de notes de musique bien choisies, ça déclenche l'ouverture d'une porte vitrée. C'est stylé de ouf. Et Casper maintenant, le dernier de notre sélection. Ça, c'est un film qui m'a beaucoup marqué étant plus jeune. Je l'ai revu plusieurs fois. J'aimais énormément cette ambiance-là de chasse au trésor, cette maison, ce décor incroyable de partout. Les fantômes, les machineries, les passages secrets. Regardez-moi ça. Hop là, le petit fauteuil qui descend, une sorte de grand 8 là, c'est vraiment grandiose les décors à l'époque, c'est un truc de fou. Pour nous emmener vers la machine, le Lazarus, je sais plus comment ça s'appelle, qui permettait de transformer les gens, de faire passer de fantômes à êtres vivants et vice versa. Je vous donne un petit bonus pour cette fin de vidéo, le Temple de Doom, et on reste toujours dans l'univers d'Indiana Jones avec notre Indy National, aux prises avec un ennemi plutôt dur à battre. Et en fait, en face, il y a la chambre de sa compagne, elle a un crush pour lui, mais lui, comme c'est un peu comme toujours le héros, bah écoutez, pour l'instant, il n'en a rien à faire, il se concentre sur son ennemi pour l'instant. Donc une fois celui-ci hors d'état de nuire, hop là, qui sert de ventilateur, il se demande où est-ce qu'il a pu arriver en fait, parce qu'il y a un passage secret qui mène à un truc, et en fait, il le cherche dans cette chambre parce qu'il pense que c'est de là où il a pu venir. Donc je vous invite là maintenant, tout de suite, à essayer de deviner, si vous n'avez pas vu le film, où est-ce que peut être l'accès, puisqu'il y a bien un accès dans cette pièce. Donc pendant que Indy cherche, regardez un petit peu autour, et essayez vous aussi, ça peut être drôle, de chercher l'endroit où a pu venir la personne. Donc là, les recherches vont se stopper vers un indice, c'est que les fleurs, elles bougent un petit peu grâce à un courant d'air en fait. Et le courant d'air, il se situe pas très loin. On chauffe, on se rapproche. On n'est pas très loin. Je pense qu'il a mis la main sur quelque chose.
Et hop, l'accès est déverrouillé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à très bientôt. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si les passages secrets vous intéressent le plus possible, parce que nous allons refaire un passage secret très prochainement. Je referai également un deuxième épisode des passages secrets chez les particuliers. Du coup, ben, je pense que ça vous plaira énormément parce que vous êtes assez fan de ce contenu. Et je continuerai du coup à vous en proposer et aussi à vous proposer le mien en création avec un nouveau tuto. Donc ça va être quelque chose de sympa. Donc restez abonnés et restez connectés. Ciao !